Je suis vraiment satisfait. C'est une décision très très courageuse. Et là, ça va nous permettre de se déplacer là où nous voulons. Et notre sonnette d'alarme a été quand même écoutée par nos autorités. Et là aussi, vraiment, nous sommes très très satisfaits. Parce que les gens ont compris que vraiment, nous sommes confrontés ces derniers temps à des problèmes d'ordre économique, tout ça. Donc c'est une manière d'aider la population pour que chacun au moins ait des documents qui sont très très importants. Sans ça, on ne peut pas se déplacer. Sans ça, on ne peut pas identifier nos concitoyens. Le gouvernement décide de réduire le montant du passeport et de la carte d'identité. C'est une bonne chose pour la population. La réduction de carte d'identité et du passeport, c'est quelque chose de très important. Parce que la population s'ouvre depuis longtemps. Et aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose, ça va aider tout le monde. C'est une bonne nouvelle qu'on doit applaudir parce que ça montre que effectivement dans le cadre de la CEMAC, les choses sont effectivement en marche. Ça nous permet de circuler facilement dans la zone CEMAC. Par contre, il ne faut pas que la délivrance des cartes d'identité dure parce que il y a beaucoup qui ont fait leur carte d'identité nationale, mais jusqu'à là, ils n'ont pas obtenu. Avec la réduction de la délivrance de la carte d'identité, je crois que c'est une bonne nouvelle. La libre circulation dans la zone CEMAC, je suis vraiment très très content. Surtout moi qui suis un artiste comédien, quand j'ai écouté cela, ça m'a vraiment fortifié parce que ça nous permet de tisser des relations internationales dans les zones CEMAC.